Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Marcel et son orchestre. Et j'ai l'honneur d'être la meneuse de revue de ce grand ensemble. Alors qu'est-ce que c'est Marcel? C'est un carnaval itinérant. Alors on a les codes du carnaval, etc. Mais peut-être pas spécialement le répertoire. Mais on va en parler un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute l'exubérance, toute l'insolence. Et voilà, l'idée c'est de rire à la gueule de l'autorité, de l'institution, de la religion, mettre à mal les codes de bonne conduite, quoi. Voilà, un bon coup de poing dans la gueule, quoi. Alors, la planète est mourir, c'est curieux, tout de suite ça me vient, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a Greenpeace qui a lancé une campagne It's Not Too Late. Et donc ils m'avaient demandé, comme ils avaient demandé à pas mal d'auteurs, Lavillier, Manu Chao, etc., d'écrire sur ce sujet. Et donc c'était sur le réchauffement climatique, enfin bref. Et j'avais écrit un texte qui s'appelle CO2, pas de planète sans casser de CO2. Il se trouve que c'était sorti chez un bouquin chez Glénat, et puis ensuite Greenpeace aimait bien un petit peu le canevas de ma chanson, et on en a fait, de ce texte, et on en a fait une chanson. Alors ce qui me plaisait, c'est que, je vais être un tout petit peu long, mais bon, je vais vous raconter les copains, j'avais pris un texte de Bob Dylan qui s'appelle O'Kill Devy Moore. C'est le fameux texte où Bob Dylan raconte l'histoire de ce boxeur qui meurt sur le ring, et puis l'adversaire, l'arbitre, le public, tout le monde dit bah, « écoute, nous on l'a fait à la régulière, c'est pas de notre faute s'il est mort ». Et donc, je trouvais que sur la planète, c'était la même chose. C'est toujours la même question de la responsabilité. Donc, j'avais posé comme question qui a mis le feu chez les pingouins, qui a scalpé le Kilimanjaro, qui a fait déborder les océans et compagnie. Et puis, t'as le politique qui dit, moi, au dernier sommet sur ce sujet, mes déclarations ont fait sensation. T'as le journaliste qui dit, moi, j'ai informé, etc. Et tout le monde se refile un peu la patate chaude, quoi. Et je trouve que c'est une question terrible, la responsabilité, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui se défaussent, quoi. Je pense qu'il faut assumer ses fautes, quoi. Et puis, à un moment, il faut relever les manches et de se dire que c'est tous ensemble qu'on doit faire quelque chose. Non, je ne regrette rien, quoi. Magnifique. Alors, c'est même rigolo parce que aujourd'hui, j'ai un t-shirt d'un groupe que j'adore, c'est les Sparks. Et sur leur dernier album, Hippopotamus, il y a une chanson qui dit Edith Piaf, Say It Better Than Me, je ne regrette rien. Et moi non plus, je regrette rien, quoi. Voilà, quoi. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Enfin, ouais, c'est une chanson extraordinaire, quoi. Extraordinaire, quoi. Et je considère que c'est notre Billie Holiday, quoi. Edith Piaf. Je suis amoureux à jamais de cette voix, de cette force intérieure qui venait de je ne sais où, parce que c'est un tout petit bout de femme, c'était Edith Piaf, quoi. Ouais, je suis amoureux. Et alors donc, si je dois ramener ça à notre histoire, quoi. Moi, c'est rigolo d'avoir pris justement le nom le plus baltringue possible, parce que tu t'appelles Marcel et son orchestre, donc dès le départ, en termes de communication, tu te mets une balle dans le pied, quoi. Et je trouve que c'était rigolo de justement de rire à la gueule un petit peu des chemins obligés, quoi. Se dire, voilà, quoi, on va prendre le nom le plus handicapant possible et on va voir jusqu'où on peut pousser le handicap dans ce monde du paraître et de la frime, quoi. Voilà, quoi, c'était assez rigolo, quoi. En principe, c'était méfiez-vous des apparences. Dans Marcel, les copains, ils ont la coutume de dire dans le groupe, on n'a pas un leader, on a un Lidl, c'est-à-dire un leader à pas cher, quoi. Et il faut faire avec moi, mais oui, parce que je suis une grande gueule, etc. Mais c'est rigolo, Marcel, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un collectif, quoi, un collectif de grande gueule, de lâche rien, et on dit que c'est un collectif de divergence, quoi. On s'est réunis sur des désaccords, on s'est même pas réunis sur des affinités musicales. T'as des gens qui essaient de faire, qui se disent, voilà, moi je veux faire un groupe de reggae, et ils récupèrent des mecs avec des dreads et tout ça qui veulent faire du reggae. Et nous, à la limite, ça, c'était pas notre truc, ça nous faisait même trop rire. On voyait pas se dire Yesai Babylone tout le temps, on n'avait pas envie de faire un groupe pop et demander aux chanteurs de s'inoculer la tuberculose ou un truc dépressif. Et donc, on était plutôt curieux de tout, spécialistes en pas grand-chose, quoi. Et Marcel, effectivement, c'est une sorte de grand fourre-tout, mais au service d'un propos, quoi, et qui se dit voilà, quel est le meilleur outil, enfin quel est le meilleur support musical pour illustrer ça, quoi. Et donc il faut faire avec. Pour moi, c'est un petit peu le principe, quoi. C'est-à-dire que à un moment, on doit tourner quelque part on doit savoir chercher aussi Ah, je recommence. On doit savoir chercher le meilleur en toute chose, quoi. C'est bateau, hein? Bah ouais. On n'est pas un groupe, Marcel, qui a regardé un peu dans le rétroviseur, quoi. Donc, c'est la première fois qu'on fait une compilation, etc., où on revient sur notre parcours. Et j'ai envie de dire que ce qui nous est arrivé, c'est 100 fois au-dessus de ce à quoi on prétendait. C'est-à-dire qu'on a monté ce groupe comme un pied de nez, une farce, etc., quoi. À tel point, c'est qu'il y avait un groupe, on vient de Boulogne-sur-Mer, il y avait un groupe de copains à l'époque qui avait fait un 45 tours, ça remonte, hein, qui s'appelait Just for a Cadillac. Et nous, à Boulogne, on n'avait jamais vu de Cadillac. Donc, on avait, le premier titre qu'on ait composé, c'était pour leur répondre, et on a écrit rien que pour une Renault 12, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait marrer tout le monde, et c'était un petit peu l'élément déclencheur. Donc, ce côté un petit peu qui aime bien, châtie bien, quoi, et ça donnait le ton, le côté un peu gratte-poil, etc. Alors, au début, c'était tout gentil, puis après, on a durci le trait un petit peu, mais en tout cas, c'est ça l'élément déclencheur, et souvenir que des belles choses, quoi, incroyable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais dire? C'est marrant parce qu'on a une chanson qui s'appelle Normal Man, quoi. Donc, il n'a pas de cap, pas de collant idiot, etc., quoi. Et effectivement, bah, aujourd'hui, c'est 30 ans après, bah, j'ai plus les cheveux aussi longs, et puis je rentre un peu mon bide, hein, quand même, je l'avoue, hein, depuis tout à l'heure, ça devient compliqué, hein. Mais aujourd'hui, ce que je trouve, c'est une histoire qui est aussi galvanisante, une histoire assez folle, quoi, puisque qui aurait dit que bah, on serait encore là, pour commencer, et puis c'est marrant parce que au départ, c'est une commande, hein, la compilation d'une maison de disques, et on s'est dit ben, quel intérêt on va y trouver. Et en puisant un petit peu dans les masters, on a trouvé quantité d'inédits, on a remixé, et c'était passionnant de se dire tiens, c'est vrai qu'on l'a fait comme ça, et de voir quand on a, en retapant un petit peu dans notre répertoire, qu'on avait des tonnes de versions différentes, et c'est ce que la compile, ça nous a permis de faire ça. C'est-à-dire ben voilà, plutôt que de ressortir les titres comme à l'époque, on a tout remixé, et on a trouvé des versions alternatives, des versions différentes, avec d'autres couplets, avec d'autres refrains, etc. Et on ne soupçonnait même pas qu'on avait autant de richesse, quoi. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je me dis, putain, merde, sans déconner, c'est beau ce qu'on a fait les copains, quoi. Alors, qu'est-ce que sera demain ? Le début ou la fin, comme disait l'autre, j'en sais rien. Mais si demain, quand même, enfin demain dans un passé pas loin, dans un futur tout proche, on va quand même venir faire un petit peu les cacous à la capitale, puisqu'on y joue le 22 février, on s'offre un Olympia, quoi. Un Olympia pour nous tout seuls, comme disait un autre encore. Mais c'est quand même, voilà, c'est insensé quand un gamin des quartiers populaires du chemin vert, etc., qui se retrouve là. Donc à un moment, tu dis, bah oui, je prends la mesure un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que si à un moment, on était un petit peu, on se posait pas en conséquence sur tout ça, on se dit, bah ouais, le chemin, il est beau, quoi. Et puis, bah, du coup, bah, effectivement, il ne faut pas que je traîne parce qu'il faut que je me remette en forme pour pouvoir faire des cascades. Voilà. Donc, et puis, il y a plein, ouais, puis je vois qu'il y a plein de dates qui arrivent, etc. Donc, en fonction de nos disponibilités, parce que ce n'est plus notre activité principale, Marcel, mais ce qui est fou, c'est qu'on monte sur le ring avec la même envie à chaque fois, quoi. Et puis bon, on se met pas des coups parce qu'on a un public, c'est une communion incroyable à chaque fois. C'est ça aussi le sens de la fête. Moi, je considère que la fête, c'est rebelle, hein. C'est pas un truc et comme l'humour, quoi. L'humour, c'est une discipline exigeante. Et donc, si j'ai un petit message à passer pour terminer, c'est de dire que, comme disait Gottlieb, elle est énorme la prétention de faire rire, quoi. C'est pas un sous-genre. Comme un grain de poussière qui voulait bloquer la machine, un lieu de jouissance pour emballer les frangines. On faisait pas fiable, pas responsable. Le genre de gars qui ne se fait pas confiance. En apparence, on était les inconséquents pour qui rien n'a d'importance. Mais conscientisés, politisés, dans les maisons de quartier, on n'aurait pas raté une occasion de se marrer.